Et yo tout le monde, c'est Cool Raoul, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur GTA V. Alors aujourd'hui vidéo spéciale car aujourd'hui on se retrouve pour faire la secte, la mission inconnue, la secte Kiflom, Epsilon autrement dit. Et écoutez, j'ai répondu à un questionnaire sur internet. Sur le jeu évidemment, dans le jeu évidemment, vous allez dans votre, vous prenez votre téléphone, internet, vous allez dans la barre de recherche, vous marquez Epsilon, Epsilon, vous faites entrer et vous allez tomber sur Kiflom et vous allez voir que vous pouvez répondre à un questionnaire si vous cherchez. Il sera marqué évaluez-vous, un truc ainsi, donc vous le faites. Et puis ensuite, une fois que vous avez répondu aux questions, répondez-y correctement et tout, hein. La première question c'est. La première question c'est êtes-vous roux? Vous mettez non. Bref. Et après, vous allez avoir. Comment dire? Un point d'interrogation. Une fois que vous avez répondu à tout le questionnaire, vous quittez la page et vous allez avoir un point d'interrogation qui se trouve là. Donc, j'ai pas encore découvert toute la carte. Donc, moi ici, j'étais ici quelque part. Et en fait, il faut aller un peu plus haut. Et c'est ici à Cassidy Creek. Non, patron, pas Raton Canyon, Raton Canyon. Voilà, Raton Canyon. Voilà. De toute façon, c'est le seul point d'interrogation qu'il y aura là. Et vous allez tomber sur un camion comme moi là maintenant, une camionnette rouge. Et là, Take me to normalement. my father, father, brother, uncle, Kiflom. Oh, peace, brother, brother. Kiflom. Oh, Kiflom. Really? Oh. D'accord. On va se faire tabasser comme une vieille merde. Waouh. Alors, ils nous ont laissé nos armes, ils nous ont laissé notre argent. Ok, d'accord. Non, merde. 5000 dollars. Je me suis trompé. Voilà. Donc les gens, donc en fait il faut savoir que moi j'ai fait ça en cours de jeu et ce qu'il faut faire c'est le faire en fin de jeu, donc une fois que vous avez fini le jeu, pas 100%, non 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 justement pas 100%. Alors en fait moi personnellement vous voyez j'ai fait ça en cours de jeu et du coup j'ai dû avancer dans les missions pour que la mission Epsilon s'affiche. Alors en fait, ça va s'afficher pas sous forme de point d'interrogation, mais sous forme de symboles bizarres. On dirait des F, on dirait deux F, on dirait un E dans un F. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc voilà. Et du coup, on va y aller. I sold myself, I took drugs, I was in conflict. Then I discovered an incredible. Ouais, enfin bref. Une fois que ça c'est fait, eh ben nous allons maintenant ta gueule, aller sur internet, argent et service. Non, pas argent et service, non. Epsilon, évidemment. Alors, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on peut oh, ok, d'accord, on peut même pas aller dans l'historique. C'est un historique qui s'efface une fois que tu fais plus de deux bazar de recherche. Donc, let's go. Et ici, cette fois-ci, nous allons faire
un don de 5000 dollars. Merci. Voilà, donc ça c'est fait. Et une fois que ça c'est fait, normalement il y a une mission qui doit s'afficher. Sauf que... Ah, il faut attendre. Donc on va avancer un peu dans les missions. Moi, ce que je vous conseille avant de faire d'avancer dans l'émission, c'est de dormir dans le lit. Donc vous dormez un coup et après ben vous voyez s'il n'y a pas la mission qui s'affiche. Donc moi du coup je vais faire une petite coupure et on se retrouve quand la mission aura apparu. A tout de suite. Regardez, on me voit. Je fais X. Et bonjour. Zolag. Quoi? Your real name is Zolag. You are a king. You lived in a cloud city, but evil forces came and cast you out. Now you are trapped here, but soon you shall be free. Okay. I used to be called Marnie. Now I am Shupar, Queen of the Winds. Doubting is the pathway to believing for non-objectionable persons. The literature is very clear about that. Why is it whenever people talk about reincarnation, they're always a king or a general or a famous person? How come they're never a serf or a rock or a bug? Oh, it is easy to be a doubtful antithesis, but be a thesis, Zolag. These are incredible truths. I used to be lost. Now I'm the most powerful person in existence. Last night, I went to 47,000 places at the same time. Okay, this is bullshit. Objectionable persons fall at any hurdle. Goodbye. Helping higher beings is the pathway to acquiring a higher existence. I'm sure it is. You're not. But you are on the way. Some of our true thesis holders, who also happen to be top of their field actors, philosophers, and humanitarians, require cars. Oh. Can you find it in your heart to be of service? The spirits shall email you their requirements. The spirits have email. Don't be an antithesis, Zolag. Kiflom. Kiflom. Ouais, allez, on s'en fout. Alors, quittez la zone. Pas de soucis. Quelle zone? Ouais, quittez la zone, si tu veux. Alors, je sais pas cette cinématique. What? Oh là là. Voilà, ouais, en bleu. J'ai envie de le tirer dessus au sniper, mais j'ai peur que ça échoue le fameux Easter eggs. Alors, chers frères, supérieurs ont besoin de véhicules suivants. Pegasi, Vega, Vega. Wow. Attends quoi? Wesh! Pegasi, Vega, une bénéfacteur Surano, une D-classe Tornado, une Anus Super Diamond. Dinka WT, ok. Attends, donc il y a 2, 3, 4, 5. 5 voitures à voler. Eh, c'est sérieux? Putain. Je fais comment, moi? Je me démerde, c'est ça? Bon. On va aller dans... Alors en fait j'ai quand on regarde les photos, il y avait des emplacements, enfin on a vu un peu les emplacements vite fait, et c'est un peu dans le quartier des riches, je crois. Enfin non, je crois pas, j'en suis sûr. C'est un peu dans le quartier des riches qu'il y a ça. Genre si on regarde. Non, on s'en bat les couilles. Genre regardez les garages, tout ça, ça c'est le quartier des riches, regardez là. On reconnaît un peu. Ouais non, ça c'est, je sais pas si c'est où ça. Genre ça c'est un quartier des riches, ça. Ça aussi c'est le quartier des riches, regardez les villas là derrière. Ce sont le quartier des riches, ça. Du coup, à l'aise, du coup on a un petit point de repère. Ça fait plaisir, mais bon voilà quoi. Sans plus. Bon, on se dit à tout de suite. Alors j'ai trouvé un véhicule, donc l'emplacement il est juste là. Vous avez vu?
Quand je vous dis que c'est dans le quartier des riches, c'est dans le quartier des riches. Putain! Heureusement qu'il y a des emplacements. L'emplacement est là, bien sûr. Vous avez vu? C'est tout près de chez Franklin en plus. La bagnole ancienne, elle est juste là. Donc c'est tout près d'un, c'est tout près du deuxième terrain de tennis. Donc juste à côté. Donc c'est au garage ici. La moto double T, je sais pas quoi. C'est ici, donc au terrain. Enfin pas au terrain de golf, c'est sur le parking en fait. Donc voilà. C'est, ah ouais, c'est tout près du troisième terrain de tennis. Voilà, sur le parking, donc juste ici. Ça, voilà. Comme ça, je vous laisse bien le temps. Mais couille. This area is a confirmed hotspot for extraterrestrial activity, bro. The device should light up blue when it finds a signal. Ah, quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y a un contact. Putain, que des conneries. That's it. Let the spirit guide you. Des esprits. Where did you find this guy? Whoa! Wait a minute. What the hell is this? What's going on? Oh yeah, you're feeling it, aren't you? Wow, une télé! Oh! Oh, oh, hey! This? It? I don't know. Shikuku car! Is this it? If there is doubt in your mind, you're an antithesis, and the metaverse will not reveal. Mais c'est quoi ce dit? Alors les gens, vous avez compris, si votre esprit doute, c'est que c'est pas bon, d'accord? Control your inner child. Engage in the lucidity. The meter only responds to your inner god, which must be set free to soar through the paradigms. Let it reverberate through your major organs. Resonate with your. Oh, un lapin, c'est ça? Non, c'est pas ça. Where is your focus, Zondar? Calm yourself. You must disconnect from your inner. Oh, shit. I think I'm close. Oh. The Emperor has chosen you. Regardez ce qu'on a là, madame. De la merde. Shupar? This is ridiculous. Like I don't have anything better to do. I heard that. Bah ouais. Being an antithesis again. Tiens, un pack de bière, faut te voir. Okay. Come on then, little flashing box. Reveal the great truth to me. Waouh, une chaussure. Enfin, une botte, du moins. This is it. I am 110% unequivocally positive this is it. Then you understand, Zondar. I understand that this is fucking it. Good. Et maintenant Jimmy Boston. D'accord. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est pour ça qu'il vous faut beaucoup d'argent. Hein. C'est pour ça qu'il vous en faut énormément, parce que en fait, comment dire, maintenant il faut retourner sur Internet, aller sur le site, non, sur le site. On s'en fout. Et cette fois-ci, on va faire un don, mais 10 000 dollars. On refait. Et là, on refait un don de 10 000 dollars. Et voilà. Ok. Donc, on retrouve. Oui,
un homme. Non, la femme. And we are all immortal. Hello, Xandar. Ah, ça va. Are you ready? For what? It is today in the track. On s'en fout. Pour faire preuve aux yeux de notre maître, vous pouvez acheter une tenue sur notre boutique en ligne et la porter. Quoi? T'es sérieux, frère? Putain, il faut porter une tenue. Et combien est-ce qu'elle coûte, ta tenue à la con, frère, s'il te plaît? Non, attends. Attends, j'ai pas bien lu. Vous devez porter... Non, vous devez acheter une tenue notre boutique en ligne et la porter pendant 10 jours. $25,000. Même lui? Même lui, justement. Confirmation de la commande ensemble de robes. Donc voilà les gens, donc portez la tenue pendant 10 jours au total pour réprimer votre je sais plus ce qu'il dit, j'ai pas le temps de lire. Bah écoutez, là cette fois-ci cette option, enfin cette technique, c'est très simple. En fait ce que vous allez faire, c'est vous allez dormir pendant 10 jours. Mais dites-vous un truc, il faut dormir 50 je sais pas. A cloud empire and a planet. Like everyone else. Ah bah il vient de parler dans son sommeil, c'est-à-dire que ça fait 10 jours. Voilà. Vous avez porté la tenue pendant 10 jours. Ouais. Attends, non. Quoi? Votre tenue... habille la nudité de l'ignorance spectrale. Nous avons observé à vos progrès. Ah non, vous avez observé vos progrès avec le plus grand intérêt. Vous serez bientôt appelé. Ok. I knew you'd come. Mind-toi. I was told to come. This is sacred cargo. You must not delay. Ne traînez pas, bah hey, ta pute de mère, c'est toi qui veux me parler, hein. Putain. Le taxi derrière là qui me met la pression là, comme dans la vraie vie là un peu. Enfin dans la vraie vie, pas tous les taxis, mais des fois moi je suis en scooter, vous voyez, je vais pas très vite quoi. Et genre il y a des gens ils me mettent de cette pression alors qu'ils demandent rien. Je suis là, j'ai la pression et tout. C'est eux qui vont vite et tout, et je sais pas, ils mettent la pression. My eternal brother, brother, you get the secret plane from the secret location? Yeah, I'm in the top secret baby blue plane. Where am I heading? Unknow it, and you'll know. Look, can you just know it for me so we can move this thing along? Okay, but that's entry-level stuff, bro. Sandy Shores Airfield, I'll meet you there. Kiflom. Kiflom. Que des conneries, vu ma mère, tu... Je me demande si il n'y aurait pas eu les 2 100 000 à la fin. Est-ce que Michael aurait participé à ce bordel? Parce que je me demande si là il y croit ou pas en fait. C'est ça que je me pose comme question quand même. Est-ce qu'il y croit ces conneries? Il y a peut-être moyen, je sais pas moi. On va atterrir tout doucement. Sauf que c'est pas maintenant qu'on doit atterrir. Bon, attends, on va me se mettre un peu là-bas, là. Voilà, tranquille. Voilà.
Hey, Jimmy, machin truc là, vas-y, t'es où? Keflon, bro. Keflon. Ouais, salut. Ok. 8 Tired and run kilomètres dans le 5 désert, miles through the desert. en portant votre médaille et votre tenue. Alors, elle dit bien dans le désert, donc il ne faut pas quitter le désert. Ok, re les gens, donc après avoir fait les... Am I finished? Voilà. No. Your journey is just beginning. Have you cast off the cane? Have you observed your inefficiencies? I guess so. Then they no longer exist. You are ready. Ready for what? Donc to make maintenant another bah, vous avez le investment droit in yourself. Maintenant bah, vous avez le droit à aller là-bas. Et voilà. Donc nous y sommes. Et en fait là ici ce qui va se passer c'est qu'en fait le mec il va chercher de l'argent. En fait il faut savoir que c'est une secte et en fait il nous a pris 50 000 dollars. C'est ce qu'il nous a fait donc il nous a pris ça. Et en fait ici ce que vous allez faire c'est simple, d'abord vous allez suivre. How much money is in here anyway? Et ici, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est très simple, c'est foncer de l'autre côté. Aïe. Et voilà. Ici, vous avez un hélicoptère qui va vous suivre et tout. Donc, c'est hardcore. Et en fait, moi personnellement, vous pouvez le faire de votre côté. C'est je vais les tuer, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, ces gens-là m'ont fait courir 8 km. Mon grand, excuse-moi, 8 km. Je sais pas ce que c'est, car c'est pas toi qui les a passés. Voilà, ça c'est fait. Et il faut obligatoirement les semer pour que vous soyez tranquille. Et surtout l'hélicoptère, stop brutal méco. Ah ouais, et il faut pas que la voiture explose. D'accord? Faut surtout pas que la voiture explose. Bah ouais, bande de putes, hein, mais quand il y a des bagnoles qui passent, passez pas devant. Ouais. Ouais, bon. Voilà. Faire attention que ça ne tombe pas sur le véhicule. Bon, moi c'est tombé sur le véhicule, pas de chance pour moi, mais c'est pas grave. Faire attention que le véhicule ne prenne pas feu. Parfait. Et voilà. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais normalement on gagne 2 100 000. Et là j'ai gagné 1 50 000. Je me sens un peu con. Mais il y a une vidéo que j'ai préparée spécialement pour vous qui va arriver bientôt pour vous montrer l'astuce pour avoir des thunes. J'ai déjà montré comment on faisait, mais cette fois-ci je vais le montrer en entier. Donc écoutez les gens, c'est la fin de la vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a gagné que 1 50 000.
Si vous regardez sur YouTube, je vous jure, on gagne 2 millions 100 000. Je sais pas ce qui s'est passé. D'accord? C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Ciao tout le monde, à bientôt.